Qu'y a-t-il ? Des individus à l'air louche nous attaquent par le nord. Ah ! Excellent timing ! J'en avais assez de chasser. Bon ! Vous avez entendu la dame ? Allons-y ! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la campagne du Nanman pour une nouvelle bataille. Nous commençons donc le let's play de Menguo. Ça va être quand même assez différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Nous allons découvrir pas mal de nouvelles batailles, même énormément de nouvelles batailles. Il va y avoir quasiment que ça en fait, hein, finalement. Juste la première à la limite. Bon, la campagne du Nanman, on a déjà vu la campagne du Nanman côté Nanman. En prenant Menguo en plus. Sauf que c'était la version originale, la version du Dynasty Warriors d'origine. Là, on est dans le Extreme Legend. Donc, malgré tout, on va se retrouver avec une bataille du Nanman différente. Alors. Ouais, roi des bêtes. J'ai la quatrième arme, donc... Je vais mettre les abonnés, du coup. Je vais essayer de les booster un peu. Alors attendez, modifier équipement. Je vais les mettre en arbalète. Ouais. Type de croissance personnalisée. Ok. Les abonnés, en plus, je les ai mis en Nanman, donc c'est nickel. Ça tombe bien. Ok, introduction. Histoire de se mettre bien dans le comté. Attendez, je bouge juste un peu le micro. Voilà, ce sera peut-être mieux. Je sais pas trop si ça va changer grand-chose, mais je pense que ce sera peut-être un peu mieux. Bon, ce sera peut-être pas audible, remarque. Bon, peu importe. Introduction. Menguo, roi de Nanman. Le plus puissant chef de la région qui maintient la paix entre toutes les tribus de Nanzang. Ceux qui vivent sur ces terres le considèrent comme un gardien d'origine divine. Ouais, donc. Je suis donc Menguo, le roi du Nanman. Un royaume qui se situe tout au sud-ouest de la Chine. Extrémité sud-ouest. Je les réexplique, hein, bien sûr. Je sais, encore une fois, hein, ceux qui me suivent depuis le début, ils le savent. Parce qu'ils ont vu d'autres let's play où on a déjà eu affaire au royaume du Nanman, bien évidemment. Mais je dis ça au cas où il y aurait des gens qui viendraient, qui se diraient « Oh, épisode 1, une nouvelle série, on peut peut-être commencer par là. » Voilà, c'est juste pour ça, hein. C'est bien du coup de répéter un petit peu les choses au cas où. Donc voilà. Je sais, je le dis souvent, hein, mais je préfère parfois me répéter un petit peu sur ces choses-là que de ne pas le dire du tout, quoi. Ceux qui pénètrent sur les terres de Nanzang ne peuvent espérer la moindre pitié de Menguo. Quelque chose se prépare. Une invasion conduite par l'armée de Shu sous les ordres de Zhuge Liang. Ok, royaume du Shu, un royaume qui se situe juste au nord de celui du Nanman. Donc on est des royaumes frontaliers, hein, on est collés. Bon, après, nous on est un royaume très barbare, pour information. Vous avez pu le voir dans la cinématique, hein, ça se voit, hein, c'est un royaume assez barbare. On dit de Zhuge Liang que c'est un excellent stratège. Aussi fera-t-il sans doute un excellent adversaire. Menguo en a assez de la paix. Il attend ce nouveau défi avec impatience. Bon, Menguo a l'air plutôt content de faire la guerre. Donc c'est parti. En même temps, c'est un royaume barbare, hein. Les barbares, ils aiment la guerre. Bon, là, ils l'ont fait dans cette mentalité-là, en tout cas. Dans la mentalité d'un mec qui est heureux d'aller faire la guerre, visiblement. Il croit qu'il peut venir se pavaner chez nous. Allons-y tous! Montrons-leur notre force ensemble! Ah, montrons-leur notre force ensemble! C'est pas très crédible tout ça. Juste une minute, j'ai un petit élan de paranoïa. Ouais, non, c'est bon, ça enregistre. Je suis désolé, hein, mais... Ça me rend un peu parano, ce genre de choses. J'ai tellement peur que d'avoir oublié. Et évidemment, ça va être facile, c'est la première bataille. Ah oui, pareil, Menguo, du coup, il va se retrouver avec deux doubleurs, ça va faire con. Machao, bonjour.
La justice est avec nous. Nous l'emporterons. La justice, c'est vous qui nous attaquez, bande d'enculés. Tu parles d'une justice? On va pas chercher à vous attaquer, nous. Tu es brave, nous nous retrouverons. Fais ça. J'ai vaincu un officier. Du coup, les conditions... Liu Bei et Zhuge Liang... Il faut vaincre Liu Bei et Zhuge Liang. D'accord, ils ont carrément amené Liu Bei ici dans cette bataille. Donc vous voyez déjà, on voit les... on commence à ressentir les différences. Ah putain, mais... Vas-y! What the fuck? Ok. Ils voulaient pas monter par ce côté-là. Mengo commence à faire le petit... Il commence à faire l'enfant, là, ça y est. Salut, bande d'enculés. Alors. Par ici. Il y a un capitaine de porte, je vais aller m'en occuper. Nous ne devons pas perdre face à eux. Plaquage, Kamate, Kamate. Mengo, il fait partie des All Blacks. Nous ne devons pas perdre, ça rigole pas. Eh, hey, Guan Xing. Le Sanzo. J'ai vaincu un officier. Et voilà. Encore un officier de moins dans le chou. Ok. Allez, je prends le pont. On traverse la rive. Et on commence à attaquer les officiers au nord. Ah, fuck. Alors, est-ce qu'il y en a un ici? Non. Je vais aller directement à l'ouest pour battre l'officier qui est à l'ouest. C'est un des commandants. Merde, il me faudrait un éléphant. Bon, tant pis. Ils ont donc uni leurs forces. J'ai pas d'éléphant. Fais chier. Les éléphants, c'est le seul moyen de défoncer ces putains de barrières, là. Ces espèces de murs en bois. Wansuo et Zhang Bao. J'ai vaincu un officier. Ok, c'est parfait. Les fils respectifs de Zhang Fei et Guan Yu. Nous ne devons pas perdre face à eux. Je me demande s'ils sont considérés comme en vie, du coup. Normalement, ils sont morts à cette époque. Hein. Mais bon, en même temps, Liu Bei, normalement, il est mort aussi, et là, ils l'ont mis. Donc, pourquoi ne pas mettre... Guan Yu et Zhang Fei à ce niveau-là? Nous ne devons pas perdre face à eux. De toute façon, dans Dynasty Warriors 3, hein, ça respecte pas trop tout ça. Au niveau des survies des personnages et tout. Mais c'était pas encore ça à l'époque. Salut Yan Yan. C'est un vieux con 70 balais, Yan Yan. J'ai vaincu un officier. Ah. Eh, laissez-moi partir. Je m'en fous, moi je me zoute la gueule. Putain, il fait mal le mezou de Mengo. Il est cheaté le mezou de Mengo. Nous ne devons pas perdre face à eux. Vous êtes sûr de tuer quasiment tout le monde autour de vous avec ça. Ah, ça fait le ménage, hein. Ah, Mengda, bonjour. T'es moche. Lui qui s'y peut être moche dans Dynasty Tactics, ce merde. Ce mec, putain. Cette phrase bourrée de lapsus. J'ai tué ou pas? Je pense que j'ai tué, oui. J'ai vaincu un officier. Je l'ai oblitéré. Tu es meilleur commandant, comme on dit. Putain, mais ils ont tous des voix de merde, les Nanman, par contre. C'est horrible.
Ok. Donc du coup, je vais pouvoir atteindre l'officier qui est là. Incroyable. Merci. Une troupe de Shamok se retire. Ainsi, c'est vous, Zugelian. Nous allons enfin nous affronter, hein? Ah, c'est Zugelian qui est là. Alors, Zugeliang, qu'est-ce qui se passe? J'ai vaincu un officier. Incapable. Le plan absolu est de gagner sans se battre. Dommage que tu perds alors. Vous êtes ici, vous êtes en avance. What? What? L'enfoiré. Je crois qu'il a fait apparaître des archers. Enculé de Zugeliang. Bon. Ouais, c'est des archers. Ok, alors attention. Il y a un officier là-bas, je vais aller m'en charger. Ah! Faut que je fasse gaffe aux archers, je vais essayer de les éviter à la limite. En espérant qu'ils ne me suivent pas. Que ça fasse pas comme dans la bataille de Heifei avec Zhang Liao là. Est-ce qu'elle était violente celle-là? Celle du château de Heifei aussi, où ils me suivent. Ils nous suivent comme des malades, les archers. Alors, c'est qui l'officier ici? Ah, Maliang. Blanc sourcil, là. J'ai vaincu un officier. Ok. Bon ben. Nous ne devons pas perdre face à eux. Il reste plus qu'à prendre le camp principal de l'ennemi, j'ai envie de dire. Donc vaincre Liu Bei et les officiers autour. Mais bon, on est contre Zugeliang. Donc Zugeliang, c'est supposé être le mec le plus intelligent du pays. Hein. Donc en partant de là. On peut s'attendre à ce que ce soit pas si simple. Qu'il y ait une stratégie prévue par Zugeliang si je m'approche du camp principal. Une embuscade ou quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait pas. Je vais pas bien loin, mais. Alors avec Mengo, le. Nous ne devons pas faire face à lui. Ouais, c'était vraiment trois pas. Hein. Avec Mengo, vaut mieux quand même garder son cheval parce qu'il est pas très rapide comme personnage. Et Sun Changxiang qui est là. Mais c'est la femme de Liu Bei en même temps. Est-ce que je vais avoir le temps d'aller la choper? Parce qu'elle a l'air d'être pas mal encerclée, la petite Sun Changxiang. Incroyable! Tout le monde affronte Sun Changxiang là. Elle est où? Ah bah non, elle est dans le camp en fait. Non bah ça va, alors elle doit pas être trop encerclée finalement. Là il y a Liu Feng. Elle est là Sun Changxiang. Mon arc a d'autres usages que la parade. Ouais,
Sauf que c'est pas des arcs, c'est des chakrams. Une unité d'embuscade de Liu Bei. Attendez, il y a une unité d'embuscade. Ouais. Attendez, si ça se trouve, c'est des archers en fait. Je crois que j'ai tué Sun Chang-Ziang. Ça ne devait pas arriver. Je l'ai pas tué, mais... Je l'ai vaincu. J'ai vaincu un officier. Ah putain, ouais, je pense que c'est ça, hein. L'unité d'embuscade, c'était des archers de cul, il y en a partout. J'arrive pas à les voir en plus. C'est quand même... Ah, ils sont là. Ça va, c'est la première bataille donc ils font pas trop mal. On s'en sort bien. La 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 la. Oh putain. Il y a une grosse masse rouge. Non, c'est pas des archers. Il y a des meufs en string. Pourquoi il y a des meufs en string? Et pourquoi? Il y avait Liu Feng ici dans le temps, mais je crois que j'ai dû le tuer en dégâts collatéraux tout à l'heure. C'est pas bien grave. Allez Liu Bei, c'est ton tour. Putain, ton cheval dont t'es si fier. Et bah t'en descends. Je suis Liu Bei, descendant de Liu Sheng. Ouais, donc c'est un empire, ça a été pris en considération. Donc le Shu est un empire, et non un royaume. On affronte l'empire du Shu. Et non le royaume du Shu. Tiens, enculé. Oh là, Sigoma. Non, il est vivant. Apparemment, il est vivant, mais... Putain, il fait chier, Liu Bei, là. Il commence à m'emmerder. Un peu trop résistant, un peu trop grobile, à mon goût. Et puis ces gardes, ils sont casse-couilles aussi. Alors, t'aimes ça, salope? Oh putain. Ta gueule! À tuer, hein. C'est fatigant. Pas possible. Désolé, je suis concentré parce qu'il est chiant. Hein. Ainsi, je n'aurai pas le talent de mes frères. Non, t'as aucun talent, allez, casse-toi maintenant. Putain. Ah, il était bien casse-couille, là, Liu Bei, dans cette bataille. Hein. Il était surtout long à tuer, en fait. C'est ça qui est chiant, quoi. Mais bon, allez, on a quand même réussi. Combien de temps j'ai mis? Ouais, 13 minutes, quasiment. Ça m'étonne pas. Gantelet de la bête. Gantelet de Man-Man. Je vais mettre ça. Et là... Ouais. Je
regardez ça. Arbalète de fer, c'est très bien. Allez, la défense. Classement. Classement par points, Mengo est classé 5ème avec 6714 points. Par KO, pas classé. Par temps, pas classé. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette bataille et à bientôt pour la suivante.